Bonjour. Le tribunal de Sidi Mohamed d'Alger a rendu ce mercredi 16 septembre son verdict dans l'affaire des deux ex-ministres de la Solidarité nationale, Jamal Oldabbes et Saïd Barkat. Euh, Jamal Oldabbes a écopé de la plus lourde sentence, à savoir 8 ans de prison ferme et 1 million de dinars d'amende. Et le, l'ex-ministre de la solidarité qui lui a succédé à la tête de ce ministère, Saïd Balket, lui a écopé de la moitié de la peine, à savoir quatre ans de prison ferme et un million de dinars d'amende. Euh, évidemment, ce dimanche, on le rappelle, le procureur avait requis douze ans de prison ferme et une amende d'un million à l'encontre de Jamal al-Abbas et dix ans à l'encontre de Saïd Barquet. Euh, Saïd Barquet, ancien ministre de la Solidarité, avait été placé le 8 juillet en détention euh, à la prison de Harrach et la veille, c'était euh, Jamal Oudabes qui l'avait précédé. Voilà. Euh, ce qu'il advient de ceux qui ont dilapidé les biens du peuple, surtout que l'argent du ministère de la Solidarité était destiné aux nécessiteux, aux démunis, aux pauvres. Et euh, M. Jamal Dabès, rappelons-le, chose qu'il a reconnue devant le tribunal, euh, il avait euh, acheté des bus offerts à des clubs de football, il avait acheté des micro-ordinateurs offert aux lauréats du baccalauréat. Je n'étais pas dans le besoin, ils hein. pas peut-être qu'il y en avait un ou deux, mais c'était pour offert comme prix euh, au nom de la présidence de la République. Des prix offerts aux euh, lauréats du baccalauréat, ce qui n'était pas du tout le, la mission du ministère de la, Soli, de la Solidarité nationale. Euh, des associations fictives ont bénéficié de sommes colossales de la part de ce ministère. C'étaient des subventions accordées à des associations que présidaient ou Oudabess, des associations au nombre de trois, et aussi une association euh, qui était euh, une association étudiantine. Euh, dont le président était cadre au ministère de la solidarité nationale. Évidemment. Tous ces procès ne sont en fait que des règlements de compte entre membres de la même bande du même gang qui gouverne l'Algérie. Maintenant, pourquoi les membres de ce gang sont arrivés à se régler des comptes C'est grâce au Hirak, grâce à la contestation populaire pacifique. C'est grâce à ces millions d'Algériens sortis battre le pavé chaque vendredi et chaque mardi pour demander au pouvoir de dégager. Au lieu de dégager, cette bande s'est divisée en deux et une est restée au pouvoir et l'autre est allée euh, à l'ombre des cellules des différentes prisons algériennes, euh, y compris les prisons militaires. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que tant mieux pour le peuple algérien quand on voit les membres de ce gang euh, se battre entre eux, se régler des comptes entre eux. Et l'essentiel, l'essentiel, c'est la récupération des biens et des deniers détournés. C'est surtout ça qui importe. Et non pas euh, voir ces gens continuer à vivre au crochet du... Euh, euh, trésor public en étant à l'ombre de, des prisons. Euh, C'est coûteux pour le euh, contribuable algérien d'entretenir ces gens pendant des années. Normalement, on doit leur faire payer leur pension en prison. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.